Bienvenue à Nairobi. Alors, la première chose à savoir à Nairobi, c'est qu'il fait froid. On est à 1800 mètres d'altitude, c'est hyper humide, c'est vallonné. En plus, là, c'est la saison des pluies, donc il pleut un peu tous les jours. Et on se les caille. Donc, il est 8h du matin et on le bus maintenant pour aller à Masai Mara. C'est 5h de route et grâce à Lancelot, j'ai un super équipement, merci Lancelot. Récapitulatif des deux jours en Masai Mara, naturel et magnifique. On n'a pas eu beaucoup de chance sur le groupe. Mon groupe était mort. C'était tout sur leur téléphone, personne ne prenait de photos. Peut-être prenez un parc un peu moins loin parce que la route est très longue. Tout, choisissez bien votre lodge. Je voulais pas un lodge, je voulais camper. Et je me suis retrouvé dans un lodge à planter ma tente pas très loin de bungalow. Donc exactement ce que je voulais fuir. Il est 7h du matin. Et je pars pour la partie la plus difficile du voyage, que j'appréhende le plus, le mont Kenya, mon premier 5000. Et là j'ai rejoint Mickaël derrière, et c'est lui qui va aller. Voici l'arbre magique. J'ai un gros doute sur la couleur, le fait qu'elle soit potable. So far so good, on est à mi-chemin du premier jour, ça me sonne. Mickaël. En fait, donc le premier jour est facile, hein, c'est 3 heures de marche, c'est que dalle. On fait 1300 mètres de dénivelé. On arrive directement au refuge. C'est que dans les refuges, on peut très très bien. En tout cas ici, j'ai mangé le meilleur repas du Kenya, probablement la meilleure soupe de ma vie, hier soir. Il faut savoir aussi qu'on mange énormément, parce que avec l'altitude qui monte, on a de moins en moins d'appétit, donc tant qu'on est encore en bonne santé, il faut manger le plus possible. Avec que des plantes très très étranges, comme celle-là là, qui a tout de poils qui se promène, des espèces d'ananas verticaux, et ces grandes fougères, qui ont la taille d'un petit arbre et qui fleurissent une fois tous les 3 ans. Come on!
mais on mange ultra bien. Là, j'ai du chapati de frais qui est cuit. Donc, bienvenue dans mon sac de couchage. Et ça, c'est comment on se lave? Avec des lingettes. C'est pour ça qu'on est très très proche d'un astronaute. Il est 2h40 du matin. 2h35 du matin, pardon. Là, on est environ à 4500 mètres. Ça fait une heure qu'on marche. 3h du matin, je ne sais pas regarder. Le petit duvet, la tente, le sac, de l'eau. Incroyable au parc de Hell's Gate, c'est qu'on peut vraiment s'approcher très 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 près des animaux en vélo. On va essayer de s'approcher au plus près des girafes sans faire de bruit.
camping fisherman au bord du lac Navasha. Regardez la maison de mes rêves derrière, le lac. Et c'est... On arrive au deuxième aérodrome où on va prendre le petit avion pour Diani. Alors, première expérience culinaire au Kenya. J'ai ramené un bol de café de beans. Et des chapatis dans du journal. Ah mais super bon. Super bon. Regardez sympa sinon. Get your milk.